Et salut à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un petit épisode de En route vers le niveau 100 avec notre petit roublard Clampin, qui va très très bien. Donc je me suis renseigné pour le Corbac, il faut qu'on trouve des os. Donc je vais voir à l'HDV, donc il bouffe des os toutes les X heures, j'ai pas regardé les heures par contre. Faudra qu'on vérifie. Donc on va regarder dans notre banque, en même temps on a reçu des kamas, ça c'est cool. Du bronze, on va en prendre 20, vous allez comprendre pourquoi juste après. On va mettre tout ce qu'il nous faut par à la banque. Voilà, alors des os. On peut lui donner des os de chauffeur. En garder genre 3 sur moi. Et on va lui donner. Voilà. Il a apprécié le repas. Faudra que je regarde c'est toutes les combien d'heures. Mais on va essayer de le monter au fur et à mesure comme ça. Bon bah on est déjà plein dans la guilde. On est toujours niveau 13. On est 53. Donc on va faire une petite astuce que j'ai cru comprendre qui allait fonctionner. Donc on va mettre notre panoplie pod entre guillemets. Donc on se monte à 1829 de pod, ça c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va crafter des quacanos afin d'avoir des runes. Donc, je vais aller vous montrer. Devant des ressources parce qu'on va devoir acheter quelques trucs. Oh putain, ça bug encore. Je vous jure, ça me rend fou ce machin. C'est à chaque fois que je suis en vidéo en plus. Allez, on décore vite fait. Voilà. C'est bon, c'est reparti. Alors, les quacanos. Il va nous falloir des... Il me semble que c'est les terres ou les feux les moins chers. Non, les terres étaient bien. Alors, recette associée du quacano. Donc, le voilà. Ça monte jusqu'à 5% de résistance pour un seul anneau. Donc, imaginons si on en fait par 20 ou par 10. Ben, ça peut monter très rapidement. C'est pas super cher. Donc, il va nous falloir 3 griffes de quack. 10 plumes. 20 bronze, 30 or, 40 étain. Voilà, comme ça, on n'oublie pas. On va prendre la calculette qui est ici. Alors ça, on les a déjà. Donc les plumes vont nous coûter 8000K. Les griffes plus 6000 x 3. Voilà. Ça nous fait 26 000. Vous inquiétez pas, on va se faire pas mal de bénéfices. On va les acheter. Voilà, les griffes. Il nous en faut 30, voilà. Le reste, c'est à l'HDV des mineurs. Alors, il nous faut dans les minerais de l'or. On va les acheter par 100, on va les revendre par 10. Oups. Minerai. Or, voilà. Achète par 100. On revend par 10, comme ça on se fait un bon bénéfice dessus. On les aura même pas payés. On les vend 1500, les 10. Allez. Donc imaginons qu'on les achète à 1500, ça fera plus 4500 kama. Voilà. Et alors l'étain, minerai, étain qui est là. Encore une fois, il coûte moins cher par 100 que par 10, donc on va les acheter par 100, on va les revendre. Par 10, on va mettre 2129. Voilà, donc imaginons que c'était ça, donc ça nous fait plus 8000 à peu près. Donc ça nous fait 38000 kama 50 d'investi. On va essayer de trouver un bijoutier maintenant.
Avec un peu de chance, il y en aura un. Donc il nous faut un 5 cases, donc au moins du niveau 20, si je dis pas de conneries. Non, du niveau 40 au moins. On va demander à lui par exemple. Tu peux venir créer 10 anneaux, s'il te plaît. Donc vous pouvez le faire la quantité que vous voulez, hein. C'est vrai que j'aurais pu le faire x2. Ouais. Le temps qui répond, on va aller acheter le reste. Donc on a les trucs en vente. Acheter V mineur. Alors, or, il nous en faut donc 60. L'étain, 80. Voilà. Des griffes de couac. Ah non, à la banque. Tu peux les mettre. Alors, du bronze, il nous en refaut 20 donc. On va avoir assez pour en faire 20 d'un coup. Capi, tu peux augmenter le son de ta voix dans tes vidéos. On entend. Très bien. Alors, hôtel de vente des ressources. Alors, quoique. Voilà, et encore 10 plumes. Voilà, qui est fait. Direction atelier bijoutier. Donc on aura investi un peu plus que 60 000 kama. On va dire plus ou moins 35 000 kama. Il est peut-être là. On va demander, je le sens bien. Tu peux venir à atelier bijoutier, s'il te plaît. J'aime pas en. Tu peux m'inviter dans la guilde. Oh là là. Ah bon, bizarre, tu dois venir de moi. J'arrive. Voilà, elle est là. On va lui demander pour faire des anneaux. On va en créer 20. Espérons qu'on va tomber sur des bons jets. Voilà. Je pense pas qu'elle nous fera payer. Voilà, elle nous fait pas payer. C'est cool, on a des bons jets pour le moment. Donc on devrait avoir plus ou moins entre, je sais pas moi, 100 runes résistance, je pense. Enfin, j'imagine. Un petit peu moins. On verra bien. On va avoir des puits et des pas puits. Et on va avoir des faux et des pas faux. Donc, on verra bien si c'est rentable. Sinon, on essaiera avec un autre. On va le remercier. Alors, direction l'atelier des forgemages. Allez hop, on va briser tout ça. Pour quelle raison? Oh là là, je me fais bombarder. Oula. Non. Non, je déteste le PvP 1 contre 1 avec un roublard. Je suis désolé, mais. En gros, je sais pas jouer avec un autre roublard que mon roublard principal en PvP, on va dire. Voilà. Et voilà. On a cassé des trucs. Il y a eu un succès. 500 kamas, c'est cool. Tu veux pas inviter? On est plein. Putain, les gars, arrêtez de péter des câbles quand je suis en vidéo, c'est bon. Voilà, donc on a eu
100 runes faux, 39 pas fausses, 53 réperters, des puits et 11 pas puits. On va mettre tout ça en vente. Tu la mets en ligne quand la vidéo? Bah, quand elle sortira. Des faux, alors on en a pour 3000 kama, 3495, 3495. En plus, que je vois ça, toutes nos runes sont parties. Donc, c'est cool. Les pas faux. Les pas faux par 10, c'est 1000 kama. Voilà. Les gens ils comprennent pas en fait. Réperter, les voilà, 24 000 les 10. Donc là on va être remboursé de tout ce qu'on a dépensé juste avec ça. C'est pas possible. On est 53 sur 53, hein. Je vous mens pas, vous pouvez regarder, si je l'invite il va mettre regardez, hein. Que je mens pas. Voilà, truc qui est occupé, lui par exemple. Impossible, ce joueur de merde, bien sûr. Je suis en vidéo. Alors, les runes puits. Non, pas puits d'abord. Les pas puits, puits. Par 100. Non, ça coûte pas cher, on va en acheter la différence pour en avoir 100. Voilà, 3450. Puis après on fera le petit calcul. Les puits, non. Les rapuits, non. Les papouis, 13 995 les 10. Voilà, donc on a fait le calcul. On va faire ça. Fois 2 plus ou moins. Donc on a dépensé, on retient 77 000 kama. Alors on en a pour 999. 4 plus 24 195 x 5 plus 3495 plus 3450. Je crois que c'est tout. Ah non, il est pas puits. Plus 13 995. Voilà, moins les 77 000. On s'est fait 72 000 kamat de bénéfices. Donc je pense qu'on va le refaire une deuxième fois. Parce que c'est pas mal, je trouve, comme technique. Non, on va pas le faire une deuxième fois, on va attendre que tout se vende avant de... Oh putain, ce bug va me casser les couilles. On fait une... Bon non, on va le refaire. De toute façon, on voit absolument rien, ça va super vite. Bon, ce qu'on va faire, on va aller acheter les ressources pour aller sur Automai, et pourquoi pas. Parce qu'il me semble que c'est une bonne zone XP là-bas. Alors, hôtel de vente des ressources. Alors, il nous faut un gros boulet. Le gros boulet qui coûte 10 000. Oui, il nous faut des oreilles de canis. Ok, on prend ça. Il nous faut... une flèche, une pointe de flèche, pointe de flèche, voilà, je pense qu'il nous en faut deux, et il nous faut une huile de sésame, hôtel de vente des paysans, voilà. Les huiles de sésame, voilà, 1500. On va juste regarder c'est quoi pour les faire, c'est 10 huiles de sésame. Ah, ça pourrait être une petite technique Kama, ça. On va juste aller voir combien coûtent les huiles de sésame. Ah, je devais des ressources. Et voilà. Alors, sésame coûte 3500 les 100. Oh, on va tester. Par contre, je saurais jamais vous dire c'est qui, quel est quel métier pour les faire.
Je pense que ça doit être les paysans. Atelier paysan, il est pas dans la ville. C'est pas grave, on ira après. On va voir atelier alchimiste. Pour moi, c'est alchimiste. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait. Ah non, concasser des graines. Non, non, c'est paysan. On retournera à ce truc. On va acheter le reste. Ben, on a ce qu'il nous faut. Il y a aussi tronc de coco et tout ça. Mais je crois qu'on le droppera. On le droppera là-bas. On va prendre la popo de rappel. Nos runes faux qui commence à partir. On va trouver. Chercher un atelier des paysans. Il y en a un là. On va y aller en même temps. On prendra le zap. On va remettre notre petit familier. Voilà, on est parti. Voilà, c'est quelques maps en bas. Donc nos alliances aussi sont toutes parties. Hein, les 12 qu'on avait fait à l'autre épisode. Donc peut-être que j'en referai à la fin. Parce que ça part bien, cette petite merde. Et ça nous fera encore quelques petits kamas de bénéfices. On est plein. Voilà, je suis désolé, mais je peux pas bouger des gens, bouger des abonnés pour en faire entrer des autres, hein, ça se fait pas. Faut juste que demander, faut entre guillemets, faut que vous engueuliez les abonnés pour qu'ils XP la guilde plus, comme ça on pourrait être plus entre guillemets. C'est pas à eux de le faire hein, entre guillemets, mais toujours pas de place dans ta guilde, non. Vous pouvez voir à quel point c'est abusé le nombre d'MP que je reçois. Hein. C'est pas pour rire quand je vous dis que bah, des fois je peux pas vous répondre parce que j'en reçois tellement que je peux en sauter super facilement. Atelier des paysans. Là le livre. Tu peux venir atelier paysan. Voilà, on le dit qu'on c'est pour faire des huiles de sésame et que c'est pour une vidéo. Comme ça, elle comprendra peut-être. Je pense que c'est dans engrainer, mais je suis pas sûr. Faudrait que je me renseigne. C'est bête qu'ils mettent jamais le. Par exemple, à côté des huiles de sésame. Là. Ils devraient mettre, entre guillemets, le métier qu'il faut pour pouvoir le faire. C'est bon. On va lui demander si elle vient. On est à 18 minutes, c'est cool. On va essayer d'aller sur Automail. Je crois qu'on se quittera une fois qu'on sera sur Automail. Donc oui, apparemment c'est paysan. Donc ça pourrait être pas mal d'investir un peu là-dedans. En tout cas si ça part, hein, puisque en tout cas sur Automail il faut toujours les mêmes ressources, ça n'a jamais changé. Faudrait qu'ils viennent. On va encore jouer une petite dizaine, un petit quart d'heure, je pense. Comme ça, je lancerai le rendu et j'irai me laver parce que je dois partir. Il faudrait qu'elle se grouille. Après, on va devoir aller à pied jusque là. Ah non, c'est pas là. Voici celle-là, entre guillemets. Allez, est-ce que tu peux venir? En plus, il y a pas mal de trucs qu'on pourrait faire. C'est les succès d'exploration. Ça ramène pas mal, il paraît. Il tourne, le capi. Glourson. Allez, on est marre de tourner autour de ce truc.
Plus c'est le seul paysan de connecté. Et je tourne dans les deux sens, hein. Je tourne vraiment autour du truc. Je suis là. À moins qu'elle soit en haut. Non. Non, elle est pas en haut. Je ne rêve pas, on ne la voit pas. On est d'accord. Parce que c'est plus que 50 ans, c'est pour ça. Devant le donjon tofu, enfin je sais pas. T'es paysan niveau 100, tu devrais le savoir, non? Enfin je sais pas. Par contre, je voulais peut-être faire un truc qui pourrait être sympa, c'est qu'au début de chaque vidéo, que je lise tous vos messages que vous m'envoyez par Ankabox. C'était pour savoir si vous pouvez me mettre dans la guilde. Je suis évident. Ben oui, ce serait bien, mais le problème c'est que tu n'es pas connecté. Donc si vous voulez m'envoyer des messages par Ankabox, même vous faire de la pub ou quoi, ben n'hésitez pas. J'essaierai d'y passer de temps en temps pour voir un petit peu ce qu'il y a. Frigost vous attend. Ouais, génial. On va aller à Frigost 3 avec un perso niveau 40. Le voilà! Espérons. Vu le temps qu'il nous a fait attendre. Oula, je suis trompé. C'est engrainé. Bon, ça a pas l'air d'être ça. Voilà, on accepte. Ça va, il nous le fait gratuit, c'est cool de sa part. On va le remercier. Voilà, on s'est fait 12 000 kamas de bénéfices. Ça peut être une petite technique quand vous êtes BL pour pouvoir vous abonner ou quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Nous, on est parti pour Otomai. Ah ben les runes papouilles qui partent en direct, ça c'est. J'aime bien quand on fait des ventes en direct parce qu'au moins vous voyez bien qu'il n'y a pas de cheat ou quoi, hein, parce que je sais que vous êtes super susceptible au moindre truc au péter des câbles, mais bon. On est plein. C'est exagéré le nombre de MP que j'ai ça. Elle a pas en cours. Ah. Oula. Oui. Il y a une petite sauvegarde. Ça fait toujours bugger tout le monde, les petites sauvegardes. Je comprends pas pourquoi. Il y en a tout le temps en plus en ce moment. Il y en a 3 ou 4 par jour, j'ai l'impression. Des sangliers. Faudra qu'on se remette un peu XP, hein, c'est pour ça qu'on va sur Otomai. Parce qu'on stagne un petit peu à ce niveau-là, maintenant qu'on a presque les kamas pour racheter les 700 ogrines pour la prochaine semaine. Et ben maintenant, le bénéfice, on va le garder pour nous, entre guillemets. On va regarder. Ok, mais 0 kamas, c'est un bug, hein, c'est juste pour voir. Je veux des ogrines. Ils sont... Ah. Ah, ils sont beaucoup moins chers, 203 000 kamas. J'aurais déjà pu les acheter, mais je préfère garder. J'ai cru que tu étais AFK des os. Je vais juste faire partie de la guilde. Je suis un de tes abonnés. Fidèle. Fidèle, pardon.
Je vais essayer de passer par Sufokia, ça ira beaucoup plus vite, ouais, par au-dessus. Oh punaise. On est plein. Je devrais faire un copier-coller et l'envoyer en boucle. Tu pourras me faire une dédicace dans ta prochaine vidéo épisode. Ben voilà, dédicace à bout de bout. Ah bah on a des succès d'explo en plus, c'est cool. 7000 XP, ça fait toujours plaisir. Hier j'ai défendu ton perco. C'était un Yop 130, il a vu que je le battais. Il est parti au S le perco. Oh non, ça c'est gamin. Cet épisode il sortira. Oulala, j'ai eu peur de me faire aggro. Vendredi. Je pense. Ouais, vendredi. Durant la semaine, comme la semaine passée, j'ai pas trop joué, donc tout ce qui est en vente. Enfin, si, je ferai les Doppel, mais pas en vidéo, quoi, je veux dire. Donc, je vais risquer de prendre pas mal de niveaux. Et je ferai un compte rendu à chaque fois des gros screens à la fin des Doppel pour vous montrer la différence. Merde, on pouvait prendre le bateau. Enfin, c'est un faux Zappy. Non, c'est un Zappy. C'est un bateau. Alors, péninsule dégelée, voilà. On va juste aller au zap. Comme ça, on l'aura. Voilà, c'est ça en fait la quête que je vous dis, se renseigner sur la ville, accepter. On doit se balader un peu partout, et alors il y a de l'XP et des kamas à gagner. Mais nous, on fera ça une autre fois, puisque objectif automail. C'est là-bas un peu plus haut. Par contre, on va devoir battre des monstres sur le bateau. Normalement, ça devra aller. Mais après... Oh, un groupe 10 étoiles. Non, on va pas le faire. On n'a pas le temps. On va remonter là au-dessus. Non. Oula. C'est quoi qui crie comme ça? C'est les gélicans qui arrêtent pas de gueuler. C'est ici, à droite. Je suis content. Tu t'as fait un petit tour sur l'aide. Bon courage. Merci. Celle-ci. Vendre. J'ai dit. Vous êtes des curieux quand même, hein, savoir tout le temps à l'avance. Accepter les ressources. Non. Donner les fournitures. Voilà. On a pris 60 000 XP. 70 000 même. Partir vers l'île. Je crois que pour quand on sera arrivé sur l'île, on devrait être niveau 45. Voilà, on a un Boomba. Oh, on s'en fout du tchal, limite. Voilà. Une Aspi. Merde, quel con. Pas grave, on va la replacer. Non, bah il est mort de toute façon. Voilà, une coco paille, ça c'est bien parce qu'on en avait besoin pour la prochaine étape. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va se trouver sur la petite île. Et on m'a dit que la petite île, elle était bien. Parce que comme il n'y avait personne qui allait dessus, tous les groupes étaient avec beaucoup d'étoiles, en tout cas j'espère. Voilà, on met des coups de pulsar. Voilà, le Ganondorf. Oula, un petit CC dans la race. Ça fait toujours plaisir. Voilà. On va le faire bouger, comme ça on utilise les PA. Oh non, il lui reste un PV, c'est pas possible. Voilà, tiens, explosons dans la gueule. Voilà, on a tué tous les pirates. Continuez le voyage. Il est naufragé. Alors, continuez la discussion. Acceptez la quête. Donc on va devoir dropper des trucs. Je vais vous montrer. Une coco paille, on l'a. Un coffre maudit de flib. Un tronc de coco et une noix de coco. Ça devrait aller vite. Par contre, on n'a pas pris nos pains. On va devoir faire attention.
Non, ça a l'air d'aller, il a pas trop de vie le coffre. Viens près de moi, tu te prends un pulsar, t'es mort. Un pulsar boosté, hein, pas un pulsar comme ça tout dégueu. Oh non. Oh, j'arrive pas à jouer avec ce petit roublard pour le moment, je sais pas ce que j'ai, je fais n'importe quoi. Allez, hein, c'est pas possible de jouer aussi mal. En fait non, j'ai pas si mal joué que ça. Voilà. Allez, drop s'il te plaît. Voilà, on a eu le coffre maudit. Faudrait qu'on trouve un groupe en attendant de reprendre sa vie. Avec des... Non, pas eux. Vous voyez, hein, c'est XP pas mal parce qu'il y a des étoiles. Non. Une autre coco, voilà. C'est pas des mobs qui tapent très fort, mais bon, faut juste les taper. Voir si on n'a pas les petits trucs de merde là du début à bouffer. Non, on les a pas. Voilà, au niveau pulsar, hein, parce qu'on a des dingues. Et voilà. Allez, faites... Non, on n'a pas droppé. Ah là là. Le canon d'or, on s'en fout. Là, il faudrait, mais bon, ils sont un peu trop à mon goût. Faut qu'on chope les petits groupes, en fait. Ouais. Des notes coco. Si on joue bon, ça devrait être pas compliqué. Limite, je vais me mettre en panneau bouffe tout pour être sûr. Pour éviter de perdre bêtement. Voilà. Ça va être notre corbac. T'es là. Allez, reprends ta vie. On en aura 416, c'est super. Dans les stats, je pense qu'on va monter jusqu'à 150 en intel. Et puis après, on mettra full vita. Salut. Pour que les bombes aient plus de vie. Tu veux bien m'inviter? On est plein. C'est deux fois que je te le dis. Merci. Voilà, on est full vite, on va attaquer eux. Comme ça, il va se prendre un beau pulsar. Oh non, il va lui manquer rien. Pas grave, on fait le tchal en même temps. Oh non, j'aime pas quand ça fouille comme ça. Alors on essaie de jouer vite. Là et voir la technique, hein. Aspiro là et une poussette là, voilà. Ils auront plus grand chose comme vita, on n'aura plus qu'à les remettre dedans. On va faire péter celle-là pour aller rechercher l'autre avec 6 PV là. Voilà, on gaspille le PA qu'on a en trop. Et voilà. Alors, j'espère qu'on ait le tronc. Non, on a eu une cocopaille, c'est pas normal ça. Aïe aïe aïe. Des cococos et des tics coco. Ouais, celui-là, si on l'a pas, je comprends pas. Il nous faut un tronc de cococo et une cococo. Pourquoi que je te demande, tu me réponds pas. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est... Merde, j'ai compris.
Oui. C'est vrai qu'on viendrait bien XP ici, une fois. Parce que bah, ça donne pas mal d'XP. Voilà, si je me rappelle bien, ceux-là, ils sont très chiants parce qu'ils vous collent et ils vous retirent des PA, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ouais, ils retirent 2 PA. Ok, je sens que ça va être casse-couille. On va aller par là où on sera sûr de le toucher. Pas compris ce que je voulais faire moi-même, mais c'est pas grave. En gros, je veux qu'il vienne à mon cac et comme ça je le transporte et je le mets dedans. J'ai 3 PA, génial. Mais laisse ma bombe tranquille, elle a déjà pas beaucoup de vie, la pauvre. Allez, j'ai 1 PA. Quitte à se la faire péter sur la gueule, au moins il y aura ça en moins déjà. Putain, je sais rien faire, hein. C'est exagéré. Allez, reste au cac. Laissez-moi 3 PA, s'il vous plaît. Non, il manque 2 PA. Putain, c'est pas possible. Je vais pas crever comme ça bêtement. Parce qu'une fois que le gros est mort, ça va, hein, parce qu'il m'enlève pas beaucoup de vie, les autres. Allez, je veux juste 3 PA. Oh yes. Voilà, 3 PA. Toi, t'es déjà calmé. Ok, j'ai 1 PA. Oui, on va tenter. Ouf. J'ai eu de la chance. Oh putain. Oh oui, j'ai eu les deux qu'il me fallait. Ouh là là, le stress. On n'est pas passé loin de crever là. On finit avec 2 de vie, mais on a gagné, on a droppé ce qu'il nous fallait. Donc on va vite quitter l'île des naufragés. On pourra revenir par après. Si vous voulez. Surtout qu'on peut dropper pas mal, j'ai l'impression ici. En petit groupe, ça peut être sympa. Voilà, en plus, on va avoir de l'XP. Voilà, on passe 45. Encore, allez. Encore 72 000 XP. Eh ben en fait, ça nous aura ramené pas mal le fait de venir sur Automail. C'est cool. Alors, on va remonter chercher le zap. Qui est là quelque part. Oui, je tourne. Voilà, c'est là au-dessus. Et on va y rester et dès le prochain épisode, on essaiera d'aller taper quelques petits groupes, je pense. Voilà, on a mémorisé un nouveau zap. Donc on va se laisser là-dessus. Une petite quarantaine de minutes, voilà, c'est parfait. On va monter nos points puisqu'on a monté niveau. On va regarder niveau des sorts si. Entourloupe, il est où? Un gros manque de PO en fait avec Entourloupe. Parce que ce sort est génial, mais on n'a pas de PO. Donc on va continuer de le monter. Voilà, on commence à être pas mal. Merde, fallait monter Roublabot, j'avais oublié. Tant pis, on le montrera plus tard. Bon ben on va se laisser là-dessus les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. À mon avis prochain épisode vous allez voir vraiment une grande avancée puisque je vais pouvoir faire les doppels durant toute la semaine. En tout cas je vais essayer de les faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas le pouce vert et le petit commentaire en dessous de la vidéo, ce serait vraiment sympathique. Et pourquoi pas partager la vidéo si ça vous a vraiment plu et que vous voulez en parler à vos potes. Allez, salut à tous, ciao ciao.